Bonjour! Aujourd'hui, vidéo particulière car nous allons visiter un village. Le voici juste en face de nous. C'est Péreios. C'est un village très ancien qui date bien d'avant la guerre. Et il lui est arrivé une histoire assez particulière. Donc on va vous la raconter. C'est un village abandonné. Voilà. Et on va vous raconter pourquoi ce village a été abandonné. Je suis toujours en compagnie, il voulait pas se montrer, de Dimitri qui m'accompagne encore une fois aujourd'hui. Et c'est parti pour l'exploration. Alors nous sommes toujours dans les Pyrénées orientales, nous n'avons pas encore changé de lieu. C'est un village qui est situé en hauteur d'Opoul-Péreios. Voilà. Et qui est quand même assez historique car il a connu des seigneurs, notamment Jean Ier d'Aragon, qui était le roi de la couronne d'Aragon. Hop. Et des vicomtes. Voilà. Raymond de Péreios, qui a été vicomte du Roussillon, du Val-Espire, du Conflans, enfin de pratiquement tous les Pyrénées. Ville de Péreios, site historique, longue vie. Visiteurs et touristes, soyez les bienvenus dans la commune qui a été si chère à nos ancêtres, qui sont toutes tombes en face de nous et à qui nous devons tant de respect. On vous demande de respecter ce qui reste de la commune et surtout les récoltes de ceux qui l'habitent encore et ceux qui viennent chaque jour travailler, car le fruit de leur labeur tant mérité. C'est le fruit de leur labeur tant mérité. Méfiez-vous, les murs ont des yeux, les fenêtres des oreilles à votre bon sens. Nous, tous nos respects et remerciements. Ah, j'adore! Déjà, ça commence bien! Ça me fait plaisir. Encore une fois, il fait super beau. Et encore une fois, nous avons une super belle vue. Essayer de passer par là, voir qu'est-ce que nous avons ici. Alors il y a deux édifices religieux normalement dans le village, une église et une chapelle. Thank you.
sur ce village, c'est que lorsque Louis XI a décidé de venir faire la guerre ici, le village a résisté à ses attaques. Donc non seulement il y a un grand roi, le roi d'Aragon, qui a été ici. Un grand vicomte qui a été gouverneur du Roussillon, etc. Et en plus de ça, c'est un village qui a résisté aussi à la guerre. Donc c'est quand même important de le souligner et de dire qu'effectivement, c'est bien un village historique. Il a une très très grande histoire. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est plus habité pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il est excentré des grandes villes et de la mer. Donc à l'époque forcément, c'était un petit peu problématique pour les vivre. Hop, on va aller voir par là, ça m'intéresse. Il a subi pas mal de malheurs. En guerre, donc au niveau de son développement, ça a été assez compliqué pour lui. Forcément, quand tu fais balle de punching ball, je sais pas si on a vraiment le droit d'aller ici, je pense pas. J'ose pas trop rentrer parce que c'est aussi pour respecter l'intimité. Ça fait bizarre d'être dans un village totalement désert, totalement abandonné. Ensuite, il a subi plusieurs morts infantiles, dont une année sur quatre naissances. Les quatre enfants sont décédés. Donc ça a poussé les femmes et les enfants à partir en fait de Périos et puis à aller sur Opul Périos. Le cimetière, c'est la vieille église avec le cimetière. La vieille église, on l'aura trouvée quand même. Même si à ce jour, il reste que des ruines. Et donc, à mon avis, la porte bleue qu'on a vue juste avant, ça doit être la porte de l'église. Mais on ne doit pas pouvoir y rentrer. J'ai failli tomber. Ça va ? On va quand même essayer de voir si on peut y aller, mais je pense pas. Ouais, non.
fermé. Pas le droit d'entrer. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale a légèrement rasé le village. Donc en plus d'être une frontière entre deux royaumes en guerre, voilà, la Seconde Guerre mondiale a fini d'achever, on va dire, d'achever le village. Et puis pour le peu d'habitants, il y a eu un problème au niveau des vignes. Alors que je retrouve le nom parce que je n'ai plus le nom. Voilà, il y a eu le phylloxéra. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le phylloxéra, j'avais peur de mal le dire. C'est pour ça que je préférais regarder ma fiche. Pour le phylloxéra, en fait, c'est un espèce de petit moucheron qui va manger les vignes, qui va les détruire en fait. C'est un destructeur de vignes. Voilà, c'est plus communément appelé destructeur de vignes. Et en fait, c'était l'une des seules ressources rares que possédait le village. Et malheureusement, ça a été détruit. Ah, c'est dommage, je suis interdit au public là. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait. On va juste... pas spécialement, hop là, rentrer, mais juste voir le bâtiment. Ah, c'est parce que c'est en construction. Enfin, c'est en construction. En rénovation. Il y a peut-être une partie aussi un peu dangereuse. Si on nous a dit que c'était interdit, on n'y va pas. Et puis, c'est tout. C'est un tout petit village, mais c'est assez sympathique et ça donne quand même une ambiance assez particulière, le fait qu'il y ait vraiment plus personne, quoi. Voilà. Après, il y a quand même eu d'autres malédictions, on va dire, dans ce village. En 1963, il y a un avion qui s'est crashé, on ne sait pas pourquoi, voilà, mais qui s'est crashé dans le village et qui a fait 12 morts. Et l'événement le plus récent, c'est lors des entraînements de la sécurité extérieure, il y a eu 2 morts aussi de leurs agents. Donc en fait, c'est un village qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de malchance. Voilà. Malgré le fait qu'il y a eu des seigneurs, etc., ça a été vraiment un village qui a subi le mauvais sort, quoi. Et aujourd'hui, il est laissé à l'abandon. On a vu aussi un petit peu plus loin qu'il y avait un château. Je sais pas si on va essayer d'aller voir... pas le château. Là, la visite, elle se termine puisque c'était un tout petit village finalement, mais c'était sympa. Moi, j'ai bien apprécié. Tu as bien apprécié, Dimitri? Ouais. Et comme je dis, ça fait bizarre vraiment cette ambiance, le fait qu'il n'y ait plus personne, que ce soit en ruine, qu'il y ait des maisons qui soient propre, hein, puisqu'il y a des maisons avec les fenêtres ouvertes. Juste... voilà, il y a une rénovation, donc c'est quand même propre et ça fait bizarre parce que c'est vraiment figé dans le temps en fait. Autant bah, il y a la destruction par rapport à l'église, autant bah, on peut aussi percevoir le fait qu'il soit toujours. Mine de rien, intact, quoi. Mais je pense sincèrement qu'il devait être beaucoup plus grand à l'époque. Je pense.
ce qu'on a décidé de faire avec Dimitri, c'est qu'on va tenter l'expérience d'aller voir ce qui se cache derrière ces pierres. Alors pour le coup, là, dans le direct comme ça, j'étais même pas au courant en faisant mes recherches qu'il y avait un château. Après réflexion, puisqu'il y a eu quand même une seigneurie, c'est pas vraiment étonnant. Donc soit j'arriverai à trouver des renseignements sur le château, et dans ces cas-là je vous les mettrai sur la vidéo ou dans la description de la vidéo, soit malheureusement on restera sur ce petit suspense. Ça sera le mystère de cette vidéo. Ah, c'est grave beau. Non. Au pool. Donc ici, oui, à mon avis, ici, nous avons au pool. Voilà, là. Regarde-moi mon cœur, comme c'est magnifique. Oh là là, on est genre les rois du monde là. Bon, ça y est, on est redescendu à la voiture. Je vous ai épargné ce détail là parce que bon, c'était assez inutile, surtout qu'en plus il y avait énormément de vent. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre avec le micro, mais par contre je pense que vous l'aurez vu avec ma tronche. Voilà, au final il y aura eu deux visites, le château et le village, donc je suis plutôt assez contente.
ça va certainement faire une bonne vidéo.